et on commence. Une bonne heure de travail. On passe en revue le zoo encore aujourd'hui. Il y aura des mouvements de grenouilles, enfin plein de choses. Frog, le crabe, enfin plein de trucs à faire pour travailler tout le corps. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le cours, c'est génial. Bienvenue aux nouveaux et bravo à ceux qui résistent, c'est super. 3 entraînements par semaine, il se peut que le 3e dans la semaine soit un peu plus difficile. Hein. Physiquement, on peut être fatigué, mais c'est bien. C'est le minimum syndical, 3 trainings par semaine pour être en pleine forme pendant ces moments où on est un peu confiné à la maison. Échauffement à genoux, ça commence bien, c'est cool. Voilà, sur les genoux, alors si vraiment vous ne pouvez pas être à genoux, vous restez debout. Sinon, sur les genoux, le dos bien droit, on est les fesses loin des talons. Et vous allez simplement faire tourner la tête dans un grand cercle souple. On démarre toujours doucement pour pouvoir aller très fort ensuite. Lâchez les épaules. Toujours dans le même sens, vous inspirez en haut, vous expirez en bas. Pensez à redresser la colonne, à rentrer le nombril. On échauffe bien ses cervicales. Changez de sens. Allez, faites des tours grands et longs. Viviane, bonjour. Aurélie, Anaïs. Yes! Super, ici, regardez bien, vous allez mettre les mains sur les hanches, pousser le bassin vers l'avant, cambrer légèrement le dos. Et deuxième mouvement, je viens descendre vers l'avant, m'asseoir sur les talons, étirer le dos. Dos rond et plat. Inspire, cambre, et deux, étire, comme un chat. On commence avec les animaux. Encore un, étire. Expire. Asseyez-vous sur les talons. Hein. Reculez les fesses au maximum. Encore deux fois. Loin vers l'arrière. J'essaye d'aller loin vers l'arrière. Et étire. Encore un. Voilà. Grandir. Étirer. Et ensuite, s'asseoir sur les talons. Étirez le dos. Voilà, redressez. Là, vous allez simplement faire un pas vers l'avant en restant sur le genou et tourner le corps face à la jambe qui est devant. Boum, et on revient. Boum, et on revient. Si vous êtes debout, hein, ben vous faites une fente et vous revenez si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Allez, encore. 3, 4. Je tourne bien face à la jambe que je mets devant. 6, voilà, 7, allez, ça oblige à lever le pied, 8, sans travail, déjà un petit peu l'échauffement hanche et genou, et 10, changez de jambe, on change, 1, et les genoux restent parallèles, pas joints et écartés, je veux dire parallèles et écartés, 2, voilà, 3, allez, 4, j'espère que vous avez un tapis assez épais, si c'est pas assez épais, hein, vous le doublez. Vous mettez une serviette entre le sol et votre genou pour ne pas avoir mal au genou qui reste au sol. Encore 2. Et encore 1. Ok, passez debout. Là, vous joignez les pieds et vous faites tourner. Pas les serviettes, mais les genoux. C'est bien. Allez, on fait tourner. Salut Linda. Salut Alain. Bernadette aussi. Béatrice. On change de sens. 1, 2, 3. Pensez à bien garder le dos creux, même dans ce travail-là, on pense à son dos. 10, on rechange de sens. 1, 2, 3, 4, 5. Le dos plat. Le dos plat. 10, change. 9, 10. Bien, pied large. Et ici, on vient faire 20 flexions de jambes. Donc là, c'est très important de sortir les fesses et de creuser le bas du dos. D'amener les fesses comme si on voulait s'asseoir
sur une chaise basse. Inspire, expire. Inspire, expire. Peut-être que vous sentez l'entraînement de mercredi. Ce qui serait normal. C'était pas mal sur les cuisses. Là, on en aura aussi un peu. Enfin, il y aura tout le corps. Allez, encore 10. 10. Voilà, histoire de bien chauffer. 9. 8. 7. 6. 5. Pensez à respirer. Inspire, expire. En bas, on inspire. En haut, on souffle. Pensez à creuser le bas du dos et à rentrer le nombril. Quand vous êtes en bas, vous rentrez le ventre. Encore 2. Boum! Bien! Travail suivant, ça va être tout simple. Je vais descendre un genou au sol, faire un grand cercle avec les bras. Toujours la même jambe. Toujours la même jambe. Boum! Deux. Boum! Allez, toujours la même jambe. Si évidemment le genou vous fait mal, vous faites juste un pas en arrière et vous faites des cercles vers l'arrière. D'accord? On est toujours sur la même jambe. Encore un. Changez de jambe et là le cercle vers l'avant. Un. Cercle vers l'avant. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On touche jusqu'au sol, on touche le genou par terre. Hein. Allez, 8. Allez, 9. Allez, 10. Bien. Ici, vous allez presser les paumes l'une contre l'autre. On presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Et regardez ensuite, j'écarte les paumes et je presse les doigts, comme un étirement des doigts. On recommence. Presse les paumes, presse, 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 presse. Et maintenant les doigts, j'écarte les paumes et je pousse sur mes doigts. Une dernière fois, on presse les paumes, presse, 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 presse. Ici, on échauffe la poitrine et l'ensemble du bras. Et là, on échauffe les doigts. Étirez les doigts, dégagez les paumes et poussez sur les doigts. Yes! On tourne, pardon, ici, on tourne les poignets. Voilà, les doigts joints et je tourne les poignets très vite. Très vite, on échauffe bien les poignets, on va en avoir besoin sur beaucoup de travail. Change de sens, si tu peux, si vous pouvez. Avec la même vitesse et la même souplesse, si c'est possible. C'est pas toujours évident. Ok, ici, je fais un tirage, une ouverture. Un tirage, une ouverture. Un tirage, une ouverture. Bien échauffé. Tout le haut du corps, la ceinture scapulaire. Hein, qui comprend les épaules, les trapèzes, les scapulas, les omoplates. Fléchis, tendu, fléchis, tendu, fléchis, tendu. Encore 4, 3, 2, on fait pareil ici, fléchis tendu, fléchis tendu, fléchis tendu, fléchis tendu. 1, 2, 3, les mains en haut se touchent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, boum, bien, regardez la suite, on va échauffer encore tout le corps et notamment les lombaires, c'est tout simple, ça vous connaissez maintenant, hein. On descend, jambes tendues, vous venez marcher au sol, là vous vous couchez à plat ventre et trois petites pulsations, j'élève le buste, je repars et je redresse. Ok? Ouais! Allez, descendre, jambes tendues, marche, 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 couché à plat ventre, trois pulses en haut, 1, 2, 3, on repousse comme une pompe, et on revient, encore, descendre, marche, 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 pulse, 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 remonte comme une pompe, et reviens. Allez, encore. Salut, Kiel. Ok, on le fait deux fois encore. On descend, on marche, 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 par exemple. 1, 2, 3. Allez, votre dernière fois. 1, 2, 3. Remonte.
Yep, bien. Normalement, vous êtes un peu plus chaud. De toute façon, on va bien s'échauffer ici puisqu'on va commencer par le cardio. Buvez un coup, préparez-vous mentalement et on attaque le cardio. Il va y avoir 5 exercices. Chaque exercice va durer aux alentours de 40 secondes, de 30 à 40 secondes. Il y aura du monkey, du singe, du crabe, de la grenouille. Après, on fera les GI, hein, le patinage et du GI. Les GI, on rentrera dans notre salon. Je vous ai dit qu'il y avait un menu premier choix. Hein. C'est bon, hein, c'est des aliments bio. Ok, je vous montre les 5 exos. Enfin, je vous montre. Ouais, les 5. Regardez bien, le singe, c'est plus simple. Hein. Je descends, je lance mes jambes. Allez, retour et je grimpe. Je lance mes jambes, allez, retour et je grimpe. Les deux mains au sol. Deux mains à plat, je lance mes jambes à droite, à gauche, et je saute. À droite, à gauche, et je saute. À droite, à gauche, et je saute. 40 secondes comme ça. Si jamais c'est trop difficile, faites juste un petit pas, une flexion. Juste un petit pas, une flexion. Ok? Allez, mes petits singes. Attendez, j'enlève mon tapis. Les deux mains au sol. Je saute le plus loin possible à droite, le plus loin possible à gauche, et ensuite comme si je voulais attraper une branche d'arbre. Prêt? Attendez, je mets le chrono. Les deux mains au sol. Top! À droite, à gauche, grimpe. Chou! À droite, à gauche, grimpe. Allez, allez! Encore, encore, du dynamisme. Il reste 20 secondes. Grimpe. D'abord les mains au sol. D'abord les mains. Ensuite, on voit les jambes. D'abord les mains. Encore. Allez, allez. On attrape la branche la plus haute. Top. 15 secondes de récup. Le deuxième. Vous vous souvenez de la marche de l'ours de mercredi? Pour ceux qui ne connaissent pas, on en appuie sur les pointes de pied et sur les mains. Et les genoux ne touchent pas le sol. Et là, on va faire le crabe. Je croise, je marche deux pas sur le côté et je reviens. Deux pas. Si vous n'avez pas la place, vous ne faites qu'un pas. Et vous revenez. Ok? Allez, les petits crabes, les genoux sont toujours fléchis et au-dessus du sol. 3, 2, 1, top! Allez, 40 secondes. Deux pas ou un seul. À votre rythme, est-ce que votre dos reste plat? Oui. Gardez le dos plat. Parallèle au sol. Parallèle au sol. Les mains et les jambes en même temps. Allez, allez! Allez les crabes, c'est bon les miettes de crabe. Encore 10 secondes, 10 secondes. Deux pas ou un seul. Allez, allez, genou ras du sol. Genou ras du sol. Et top, 15 secondes. La grenouille maintenant. Tout simple. On est en posture gainage. Et je viens accroupi, les mains viennent en prière devant, et on repart. Je redresse le dos. Je ne reste pas en avant, je redresse le dos. Option, je marche, je marche, je redresse avec les mains sur les cuisses. Je marche, je marche. Sinon, boum! Accroupi, 40 secondes. Prêt, posture, top! Restez une petite seconde en posture. Boum, pour redresser le dos. Boum. Boum. Allez, de vraies grenouilles. On reste bien vertical une seconde dans la posture. 20 secondes. Boum. 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 Allez, allez. 10 secondes. Croix, croix. Redresse le dos. Redresse le dos.
Stop. 15 secondes. Ici, c'est simple. On fait patineur, aller-retour. Et 4 ciseaux. Je vous montre. Je pars. Patinage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Option. Hop. Croise. Hop. Croise. Marche. Marche. Je marche. Hop. Croise. Hop. Croise. On croise derrière. Prêt ? 40 secondes. Part à gauche. On revient à droite. 4 ciseaux. Top. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 4. Oh. Oh. 1, 2, 4. Patine. Patine. Regardez mes bras. Chou. Chou. Ils suivent le déplacement. Chou. Chou. 1, 3, 4. Chou. Chou. 3, 4. Chou. Chou. 3, 4. Allez encore. Souvenez-vous d'options. Plus cool. 10 secondes. Chou. 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 1, 2, 3, 4. Bon. Bon. Top. Dernier. On fait les jerry. Ça va être difficile. Regardez de face la position des bras. On a les bras croisés, on est en gainage. Et on va avancer une fois, deux fois, revenir, revenir. Regardez bien, hein, les pieds glissent. 1, 2, je marche sur les orteils. 1, 2, 1, 2. Option, sur les genoux, j'allonge le corps et je reviens. J'allonge et je reviens. Bonne nouvelle, on ne fait que 30 secondes. Mettez le casque, le FAMAS, et on y est, dénage, un pas, devant, devant, recul, 1, allez, 30 secondes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, votre erreur est peut-être de monter les fesses, garder les fesses ras du sol, allez, allez, on passe dans les tranchées, sous les barbelés, c'est la guerre. C'est la guerre. 1, 2, 1, 2. Le dos, le dos, le dos. Les fesses, bien à plat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore, encore. Les deux derniers. 1, 2, 1. Et top. Récupérez. Premier passage terminé. On en fait un deuxième. Est-ce que vous avez chaud un petit peu? Est-ce que vous avez chaud? Ouais? Allez, c'est bien. Hydratez-vous et plongez-vous si c'est nécessaire. On refait une fois. Le singe, la grenouille, le singe, le crabe, la grenouille, le patineur et le G.I. Joe. Allez. Trop de pause, tu la poses. Écoute bien ce qui change. Le singe, vous savez, les mains au sol, je lance mes jambes. On va le faire 4 fois. Droite, gauche, droite, gauche, jump. Droite, gauche, droite, gauche, jump. 4 fois. Et on fait un seul jump. 4 et 1, 4 et 1. 40 secondes. Je sais que vous êtes prêts. Si vous ne l'êtes pas, c'est le moment. L'option, c'est sans poser les mains. Je fais un pas, 4 fois, et je monte sur la pointe des pieds, par exemple, ou un squat. 3, 4, et je squatte. Comme vous voulez. Allez, main au sol. Prêt ? Top. 1, 2, 3, 4, jump. Boum. 1, 2, 3, 4, hoop. Et 1, 2, 3, 4, hoop. Et 1, 2, 3, 4. C'est quoi le cri du singe? C'est quoi? Allez, allez, allez. 2, 3, 4. Faites-moi un beau cri de singe. 10 secondes, 4. Allez, allez.
10 secondes. 3, 4, allez, allez. 2, 3, 4, top. J'espère que vous avez crié le vrai cri du singe. Maintenant, on fait le crabe. Les mains, les genoux à ras du sol, jambes fléchies et je marche un ou deux pas en latéral. On va tous faire un seul pas, un seul pas, un seul pas. Une fois à droite, une fois à gauche. Je croise les mains, je décroise, je croise, je décroise. Prêt? Et c'est quoi le cri du crabe? Faites-moi le cri du crabe. Prêt? Genou 1 cm du sol, 40 secondes, top! Croise, décroise, croise, décroise. Les pieds, bouge, boum, boum. 1, ouvre, 1, ouvre, 1, ouvre, 1. Voilà, croise, ouvre, croise, ouvre, croise, ouvre, croise, ouvre. Le dos à plat, le dos à plat. Croise, ouvre, croise, ouvre, croise, ouvre, croise, ouvre. Les genoux ras du sol. Allez, courage, courage. Dos plat, dos plat. Top. Moi, le cri du crabe, je connais pas. Et vous? La grenouille. Frog. Ici, je viens. Boum. Et je me mets vertical. Accroupi vertical. L'option, marche, marche, redresse. Juste ça. Prêt? 40 secondes. Top! Vertical. 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 Crois. Crois. Tu crois que tu peux le faire? Oui. Allez, mes amis. Les petites rainettes du soir. Espoir. Redressez ce dos en posture accroupie. Redressez 10 secondes. 10 secondes. Top. Récupère. Patineur. Vous vous souvenez? Un saut, croise derrière. Un saut, croise derrière. 4 ciseaux. Un saut, croise, un saut, croise. 4 ciseaux. Prêt? 40 secondes, option, un step, marche, marche, je marche, un step, 4 pas, prêt, oui, 3, 2, 1, top, croise, croise, 3, 4, croise, croise, 3, 4, croise, croise, lancez les bras, croise, croise, plus loin, prenez tout votre salon, toute la place. 1, 4, plus vite, 10 secondes, 10. Allez, 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 allez. Les bras, les bras, les bras. On enfile le treillis, ceinture au FAMAS, casque, rangers, et on y va. Le rampé, deux marches avant, deux marches arrière, c'est-à-dire que mon bras gauche passe devant, ensuite le bras droit, je ramène le droit, le gauche revient. Sur les genoux ou les pointes de pied, 30 secondes, dernier cardio avant la pause, 3, 2, 1, top, croise, top, reviens, reviens, 1, 2, 1, 2, on rampe, on rampe, on rampe, oh, oui. Essayez de ne pas bouger le bassin et de ne pas monter les fesses, à plat, encore, 1, 2, jambes tendues, 1, 2, mes pieds font des petits pas, poursuivre le mouvement, 1, 2, 4 secondes, un dernier, bourre, 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 et relâchez. Récupération.
hydratation, essuyage, recoiffage. Si vous êtes comme moi et que vous avez des couettes, n'hésitez pas. Alors comment s'est passé ce cardio? Vous avez quelques secondes, mettez-moi un petit mot. J'ai un peu soif. Oui, Sorette, tu peux aller boire maintenant. Bon, je lirai tous vos commentaires, de toute façon, quand ils défileront tout à l'heure, et je réponds. Abdos fessiers pour le tableau suivant. Abdos fessiers. Vous voyez toujours bien? Vous voyez bien le sol? Je vérifie où est le tapis gris, là. Okay. Je vais le reculer. Là. Et je vais reculer le rose, comme ça. Je serai sûr d'être dans le champ. Ça va, il n'y a que 3 exercices abdos et un exercice fessier puis gainage arrière, qu'on appelle la table ou le pont. Ça va le faire. Allez, on va faire des abdos, on va grimper à la corde en faisant des abdos et on va faire du pédalo avec résistance, comme si on était sur un lac en pente. Vous connaissez pas de lac en pente, vous hein? Moi non plus. Ok. Où c'est que je suis? Ouais, je pense que c'est bon. Ici, on va faire 6 crunchs, ça vous avez l'habitude, 30. Tout de suite derrière, je pose mes mains droit vers l'avant, je monte en plan, en table, et là je vais faire ramener ma jambe, tendre, ramener, tendre, ramener, tendre, tendre. Et là, vous allez sentir l'arrière des cuisses et l'arrière des bras travailler, peut-être aussi le dos. Si vous pouvez être très très plat, faites-le. Si vous êtes moins souple, faites comme vous pouvez. Mais essayez de faire le maximum. On y va, 6 crunch, prêt, top, 1, 2, 3, 4, regardez, c'est la pointe de pied qui touche le sol, seulement la pointe de pied, pointe, tape, pointe, tape, pointe, tape, pointe, tape. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est les coudes qui vont vers les genoux, c'est pas les genoux qui viennent vers les coudes, ça veut dire qu'il faut monter les épaules un peu plus. Encore 20, ouais, encore 20, ouais. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, 10, encore 10, 10, 9, 8, rentrez le nombril, rentrez, rentrez, rentrez. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Ok, on prend le temps de se mettre en place. Les doigts vers l'avant. Les doigts vers l'avant, vers vos pieds. Les pieds, un petit presque sous les genoux, un petit peu plus loin. Et je viens monter le poids du corps sur les jambes. Je suis en équilibre, comme un crabe à l'envers. Vous montez une jambe et vous l'attendez. On le fait 15 fois par côté. 1, 2, si c'est trop dur, 3. Vous essayez juste de monter le genou. 5, 6, regardez, je ramène à la poitrine, je t'en ramène, tant, ramène, tant. 8, plus haut les fesses, plus haut, 10, 1, plus haut, 2, 3, plus haut les fesses, 4, 5, change de jambe, 1, 2, 3, plus haut les fesses, 4, 5, 6, allez, monte, 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 7, 8, 9, 10, 1, allez, monte les fesses, 2, 3, 4, et 5, repose. Vous savez quoi? On refait cet ensemble une fois. On va faire chaque groupe d'exercice au moins 2 fois, peut-être 3. Prêt? On y est. 30 secondes. Go! 1, 6 crunch, 2, 3, 4. J'espère que vous me voyez bien, sauf que moi je ne me vois pas dans la caméra. 8, 9, 10, 3. Encore 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, le ventre inspiré, 3, 2, les coudes vers les genoux, 1, yepa, la table, une petite option en plus, vous allez essayer de mettre les pieds plus loin que tout à l'heure, s'ils étaient près des genoux, éloignez-les d'un centimètre, vous allez voir la différence, l'arrière de cuisse va travailler 2 fois plus, doigts vers l'avant. Vous êtes en place, avancez encore un peu les pieds. Essayez d'être à angle droit au niveau des tibias, perpendiculaire au plafond et au sol.
On y va, je monte le genou, et je tends, 15, ramène, pousse, 1, 2, plus haut, 3, les fesses, 4, la jambe est parallèle au sol, 6, 7, 8, 9, allez là-haut, là-haut, 10, pousse dans ton pied d'appui, 1, 2, 3, on en fait 10, 4, 5, il en reste 5, 5, 4, 3, 2, et 1, change de jambe, replace-toi, éloigne un peu tes pieds, c'est parti, 4, 20, 1, 2, 3, je ramène, je pousse, 4, parallèle au sol, 5, 6, jambes et corps, 7, 8, allez, pousse dans tes bras, 10, pousse dans le pied au sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, relâchez, étirez un petit peu en attrapant vos pointes de pied ou vos genoux. Yep, exercice, groupe d'exercice suivant. Nous allons monter à la corde 3 fois. Je mets une main, je monte, et la troisième plus haute et je redescends. 1, plus haut et je redescends. La corde elle est verticale. Ok? Et on enchaînera par du montée de bassin en levant une jambe. Montée de bassin en levant une jambe. Encore l'arrière de cuisse et les fessiers. Prêt? Une main en bas, une main en bas, une main au milieu, une main là-haut et tu descends. Change de main. 1, 2, 3. Monte, monte, monte. Il y a 3 montées. Hein. Un petit, un moyen et une grande. Et 1, 2, et 3. Allez, monte sur cette corde. 1, 2, et 3. 1, 2, et 3. 3 montées de l'épaule. Hein. Boum. Ça fait 1, 2, et 3. Encore. 1, 2, chou, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, je voudrais qu'il y ait 3 impulsions, petit, moyen, haute, verticale, encore 3 fois 3, 1, 2, 3, encore 2, 1, 2, 3, encore une, 1, 2, et 3, relâchez, prêt, talon assez loin des fesses, on monte les fesses et en même temps, on lève un pied et on alterne pied droit, pied gauche. 40 secondes. 3, 2, 1, boum, chouk, chouk. À peine les fesses ont touché le sol, que vous repartez. Si encore une fois c'est trop dur, option, je ne lève pas le pied, je lève juste les fesses, je monte et je descends. Allez, chouk. Ça, ça peut donner mal aux genoux aussi, donc si vous avez mal aux genoux, restez juste en statique, sans bouger. Maintenez la posture en trouvant le bon angle pour les genoux. Ouvert ou fermé, suivant votre douleur. Encore 15 secondes. Allez, pousse dans ton talon. Le talon, je pousse dans le sol. Je pousse avec le talon. Push, push, push. Louhouhouhou. Push de tempo. Boum, boum. Et top. Relâche, 15 secondes. On va refaire le monté et le grimper de corde. Yes. Pour ceux qui sont en pleine forme, l'option, c'est de faire le grimper de corde avec les pieds décollés. 1, 2 et 3. Option plus facile, pied au sol. Ok. Choisissez votre option. On est parti. 3 niveaux. 1, 2, 3. Prêt. Top. 1, 2, là-haut. 3. Petit, moyen et grand. Petit. Moyen, les grands, petit, moyen, chou. Allez, c'est une corde lisse. Encore plus dur, on monte à la force des bras. Et des abdos. 1, 2, 3. 1, 2, pensez à l'option à tout moment. Choisissez l'option dure ou facile. 1, 2, encore. 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 2, 3, encore un, et pouf, bien, les fessiers, on éloigne franchement les talons, faites-le, faites-le, éloignez loin, 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 les fessiers en béton, et l'arrière de cuisse galbe, 3, 2, 1, top, 40 secondes, boum, boum, je pousse dans le talon, regardez mon pied au sol. Les orteils restent décollés en permanence.
je pousse dans le talon. Et top, 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 top. Plus vous en faites, et plus vous travaillez. Alors augmentez la fréquence. Bing, 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 bing. Allez, courage. Yaha, yaha, yaha. Vous êtes chez vous, vous avez le droit de crier si ça fait mal. Vous avez le droit de crier si vous êtes fatigué. Les voisins ne peuvent pas venir, on est en confinement. Chac, 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 chac. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Wow, allongez les jambes, étirez les bras. Il nous reste un groupe d'exercices. Regardez, c'est plus simple. Je vais avoir une jambe dans une jambe fléchie. Les deux mains vont pousser sur la cuisse. 2 secondes, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et regardez comment est moi. Mon corps, il est plié. Je ne suis pas au sol comme ça. Hein. D'accord? Je vais pousser en ayant le corps décollé. Si à un moment donné, vous avez mal au cou, vous poussez avec une seule main. 1, 2, 1, 2. Et vous changez la main et l'autre soutient la tête. Si vraiment c'est trop difficile, vous posez le corps. Et si vraiment c'est encore trop difficile, vous travaillez juste en poussant sur un genou, puis sur l'autre. Je pousse un 2, je pousse un 2. On y va? J'ai marqué comment on faisait, combien? Oh bah 10, ça va aller. Avec 2 secondes de pression. Prêt? Une jambe tendue, épaule décollée, menton rentré, pression, 2 secondes. 1, 2, 1, 2. Allez, presse! Presse, plus tu presses fort. Plus du travail. 1, 2, 1, 2. On est à 4. 1, 5. 1, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 9. Et 10. Yep. Tout de suite derrière, on travaille. Adducteur, mais aussi les abdos. Je viens en grand écart. Je croise devant, je croise derrière. Le pied droit passe devant, le pied droit passe derrière. Et on est parti, mais bien sûr, on ne va pas en rester là. À chaque fois que vos jambes se croisent, vous allez monter les épaules. Boum, monte les épaules. Boum, monte les épaules. Boum, monte les épaules. 1, 2, et on va à 30. 3, ouvre bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les épaules, pas que la tête. Les épaules montent, pas que le cou. Encore 20, 2, ouvre, ouvre, 3, sans l'étirement et la contraction adducteur. Allez, allez, courage, ouvrez bien, serrez bien, montez les épaules. Ils ont mal, c'est bien. Encore, encore. Allez, encore 10, 1. Quand je ne sais plus le nombre, hein, je dis qu'il en reste 10 tout le temps. Alors ça peut arranger ou ça peut désavantager. Encore 5, 5, ouvre bien, 6, monte les épaules, 7, 8, et 9, et 10, récupérage. Ou récupération peut-être, c'est mieux. On va repartir sur les pressions genoux en alternant. On va aller jusqu'à 12, et après on aura nos 30 ouvertures, fermetures de jambes avec relevé de buste. Prêt? Changer de jambe pour commencer. Allez, 2 secondes, top. 1, épaule décollée, 2, 1, 2, 1, 2, pousse, pousse, pousse. 2, si vous êtes plusieurs, vous pouvez aller pousser sur la jambe de votre partenaire si vous trouvez qu'il ne pousse pas assez fort. 1, épaule décollée, 2, 1, 1, allez, encore 4 fois, 2, 1, 2, 3, 1, plus haut les épaules, 2, 1, 2, allez, on en fait encore un de chaque côté, 2, encore 1, 1, et relâchez, ouh, on sent bien les abdos, là, il y a du gainage, du dynamique en même temps, ouverture, croisée, ouverture, croisée, à chaque croisée, j'enroule le buste, 30, 1, 2, pas trop vite, 3, à mon rythme, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
2, 3, soufflez quand vous montez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Récupération. Là, vous soufflez 45 secondes de récup. Bien, il nous reste en gros 18 minutes de travail. 20 minutes. Parce qu'on a commencé à 18h20, T1. Et que le contrat, c'est une heure d'entraînement. Hydratez-vous bien. Des cuisses, des bras avec des pompes. On va faire un peu le Jayco, le petit lézard du désert aussi. Encore un animal. Des fentes, des pompes. Vous allez voir, il y a deux façons de faire des pompes qui vont être assez sympatoches. Entre nous, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais bon, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Allez, courage. Facile. Premier travail, la marche du sumo. N'y voyez pas un message particulier. On est en posture de sumo tori. Bien fort, et bien c'est tout simple. Je vais marcher 1, 2, faire 3 petites pulses, revenir 1, 2, 3 pulses, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ok, allez, on y va. Ce qu'il faut, c'est que vos pieds ne se rapprochent jamais l'un de l'autre. On travaille large et les pieds restent larges. Allez, mettez-vous en posture de sumo. C'est-à-dire large, orteil vers l'extérieur, l'arrière de cuisse parallèle au sol. On peut mettre les mains comme on veut, ici, ou comme les sumo sur les cuisses. Et on marche, un pas puis l'autre. Allez, 1, 2, 3 petits. 1, 2, 3, reviens. 1, 2, 1, 2, 3. On fait ça pendant 40 secondes. 2, 1, 2, 3, et 1, 2, allez, 1, 2. Redressez le dos. 1, 2, creusez. 1, 2, 3, marche, marche, 1, 2, 3, marche, marche, plus bas, je suis sûr que vous avez remonté un petit peu pour certains, restez en bas, restez en bas, 2, 3, il reste 20 secondes, allez, vos cuisses tiennent le coup, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, on se déplace en demi-cercle, 2, 1, 2, 3, 10 secondes, 1, plus bas, 2, 1, 2, 3, plus bas, 1, 2, 1, 2, 3, dernier, 1, 2, 1, 2, 3, relâche, marche, marche un petit peu sur place, exercice 2, les pompes, j'ai du mal ce soir à voir si vous me voyez, j'espère que ce sera bon. Ici, c'est plus simple, je vais avoir une main qui va avancer et revenir tout en pompant. Je vous montre, j'avance, je pompe, je reviens, je pompe. J'avance, je pompe, je reviens, je pompe. J'avance, je pompe, je reviens, je pompe. C'est toujours la même main. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne le fait que 6 fois. L'option, c'est sur les genoux. Je pompe ma près du genou, ma loin du genou. Ok ? 6 fois du même côté, main large, prêt, top, avance, pompe, 1, allez, 2, allez, 3, allez, 4, allez, 5, allez, 6, bonne nouvelle, on fait l'autre côté, main large, allez, 1, pompe, pompe, allez, 2, pompe, pompe, allez, 3, pompe, pompe, 4, les deux bras appuyés, hein, ou 5, avance, recule, encore 1, 6, et relâche, bien, on le refera tout à l'heure celui-là, ici plus simple, retour sur les jambes, vous avez vu, il n'y a pas de pause tellement, hein. Regardez bien, on prend la posture du chat, c'est comme en karaté, on se met tout sur la jambe arrière et ma jambe avant est juste posée. Les mains comme ça, tranquille.
Et là, je vais venir faire fente et revenir pointe de pied. Fente et revenir. Ma jambe arrière se plie et revient. Se plie et revient. Ok, 10 fois. Prêt, équilibre. Top. 1, reviens. 2, regardez mes fesses. Boum, elles poussent. 3, elles vont vers l'avant. Boum, vers l'arrière. 4, pointe de pied. 5, pointe de pied. 6, comme un chat prêt à bondir. 7, 8, 9, 10, avance, reste là et différente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste en bas. Maintenant, les jambes arrière croisent derrière mon pied avant. Et je reste en bas. 10 fois. Top. 1, les mains devant. 2, 3, reste en bas, reste en bas, reste en bas. 4, regardez le profil. 4, 5, je reste fléchi. 6, je croise. 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Bien, on change de jambe. C'est important de s'asseoir sur la jambe arrière, d'être souple. Je recule le corps. Et on avance 10 fois. Top, fente. 1. Mon genou arrière se pose au sol sur le tapis. 2. Là, je plie. 3. Je plie ma jambe arrière. 4. Descends, descends. 5. Descends. 6. Descends. 7. Descends. 8. 9. 10. Reviens. Fente. Vas-y. 10. 1. 2, 3, 4, angle droit pour les genoux, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste en bas et croise, 1, reste en bas, 2, allez en bas, en bas, en bas, 3, allez, 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 4, allez, allez, 6, plus bas, redresse le buste reste de face, 8, 9, et 10, wouhou, on marche. Qu'est-ce qu'on a? On a des pompes. Vous allez imaginer un cercle face à vous et vous allez pomper en faisant ce cercle. Je me mets de face, vous avez les mains larges, regardez, je cercle. Sur les genoux, c'est pareil. Je cercle. Ok? Un beau cercle, pas un ovale. Un cercle. On en fait 6 dans un sens, 6 dans l'autre. Et après, on fait le Jayco. Main large, posture, choisissez votre sens. 1. 2. Ras du sol, ras du sol. Ras du sol. Plus bas, plus bas. 4. 5, 6, on change de sens. Est-ce que vous frôlez le sol? Frôlez. 2, ouvrez les bras. 3, 4, 5, 6. Et récupère quelques secondes. Le Jayco, c'est plus simple. On est en gainage. Et on va lever. On est en gainage avec les genoux décollés. Et on va lever une jambe et le bras opposé. Sans déplier, ma jambe d'appui. Ok? Travail d'équilibre et de coordination. 40 secondes. Droite et gauche. Prêt? Posture d'équilibre. Top! Genou fléchi sur la jambe d'appui. Regardez le sol pour ne pas perdre l'équilibre. Le dos est plat. Le dos est plat. Char, des petits lézards du désert qui veulent pas se brûler les pattes. Alors il lève une patte et puis l'autre. Chac, le Jayco, chac, chac, ou le Jerko, chac. Encore, encore, encore. 3, 2, 1, et relâche.
soufflet. 45 secondes de récup. Et on reprend. Allez, c'est bien. Alors, tout va bien? Vous avez chaud? Vous sentez le travail du haut du corps et des jambes? C'est bon signe parce que on va remettre ça dans 20 secondes. Hydratez-vous. Allez les sumo, entre nous les sumo c'est pas péjoratif, hein. C'était des dieux vivants au Japon il y a encore quelques années, ça a un peu changé mais on peut être fiers, soyons frères, fiers d'être sumo. Allez les amis, on forme un rectangle avec nos jambes, tac, tac et le sol, un vrai rectangle, les mains sur les hanches, avancez la jambe gauche si vous avez commencé par la droite tout à l'heure, deux fois, gauche, droite, droite, gauche, 1, 2, 3, pardon, c'est 1, 2, 3 petits, 1, 2, 3, recul, 1, 2, 1, 2, 3, 40 secondes, 2, en bas, en bas, en bas, recul, recul, en bas, en bas, en bas, 1, 2, 1, 2, 3, 2, maintenant on enlève les bras des cuisses, on les met devant, 2, cosaque, 2, 3, en bas, on va plus bas les amis. 3, 2, petit, petit, petit. On brûle les calories autant que les cuisses. 15 secondes. Ouh. 3, 15, c'est dégueulasse. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Allez. Top. Dur, dur d'être sumo. Pompe avec la main qui se déplace. 6 et 6. 6 et 6. 22, c'est bien. On y est. Main large. J'avance une pompe. Je recule la main. Une pompe. Toujours la même main. Prêt. Posture. 1. 2. 3. 4. 5. 6. On change de main. Aujourd'hui. Prêt. Top. 1. 2. 3. Option. 4. 5. 6. Récupère. Vous vous souvenez ce qu'on fait maintenant? Le chat. On imagine absorber l'énergie, boum, la redonner. Absorber, boum, et ma jambe arrière, elle reste fléchie en fait. Fléchie, elle se pose, fléchie, elle revient, et je m'assois dessus. Faites-le un peu au ralenti, voir. Ralenti, et là, gardez la fléchie, le pied glisse, et je m'assois sur ma jambe, j'ai plus besoin de mon pied avant. Ouais. Essayez ça, équilibre. On y est. Allez, on avance 10 fois. 1, boum, le chat. Boum, 2, boum, 3, boum, plus bas. 4, boum, plus bas. 5, boum, 6, boum, 7, boum, aïe, 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 boum, 9, boum, et 10. On reste devant, la même jambe, différente, basique. 1, les mains loin des cuisses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en bas, la jambe arrière croise derrière ma jambe avant, 10 fois, 1, reste en bas, 2, on croise, 3, regardez mon corps, reste de face, 4, reste de face, 5, descend, descend, 6, allez, 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 7, croise en bas, 8, 9, 10, et relâche. Le chat, l'autre côté, je pousse les hanches vers l'arrière, mon corps est légèrement penché vers l'avant,
Je propulse, je descends et je reviens. 10, 1, chut, reviens. 2, chut, reviens. 3, chut, équilibre. 4, chut, équilibre. 5, chut, reviens. 6, chut, essayez quelques fois l'équilibre. 7, reviens. 8, chut, reviens. 9, chut, reviens. 10, on revient. Différentes, main loin du square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en bas, et tu croises. 1, le corps reste de face. 2, il n'y a pas de mouvement avec la jambe avant. 3, 4, plus bas. 5, allez, allez, au bout. 6, allez. 7, 8, les mains loin du corps. 9, et 10. On marche un peu comme un corsaire, enfin, ou un pirate, avec une jambe de bois, non? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Les pompes en cercle. Oui. Les pompes en cercle. 8 et 8. 8 et 8, 12. Impeccable. Ma large. 8 dans un sens. Top. 1, radisol. 2, pas trop vite, pas trop vite. 3, 4, et c'est un vrai gainage. Regardez mon bassin. 6, il ne cambre pas, il ne monte pas. 7, 8, change de sens. 1, 2, 3, plus bas, plus bas. 4, gainé, gainé, gainé. 5, 6, 7, 8, le petit lézard du désert. Si vous n'avez pas réussi tout à l'heure, vous allez voir, votre corps a appris et vous allez mieux y arriver maintenant. Le corps a besoin d'un peu de temps pour apprendre, mais une fois que c'est essayé, c'est parti. Équilibre, les genoux sont sous les hanches. Genoux sous les hanches au-dessus du sol. Et on y va. Main droite, pied gauche, 40 secondes. Top. 1, 2, 3, 4, genoux sous les hanches. 5 au-dessus du sol. 6, 7, 8. Allez, 20 secondes. Allez, 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 parallèle au sol le dos. Parallèle au plafond. Allez, bien plat. Plat. Encore 10. Encore. Top. Et relâchez. Étirez. Hydratez. On a un bloc d'abdos. Et on a terminé. Comment vous sentez-vous à ce niveau-là du jeu? Allez, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi c'est une vraie fontaine, une rivière de gouttelettes de sueur partout. Je suis obligé de faire le ménage après chaque cours. Encore 10 secondes, 15 secondes, 4 exercices d'abdos, et on finira par, comme la dernière fois, un petit challenge. Le gainage lézard du désert. On fera le gainage, un bras, une jambe levée pendant 45 secondes de chaque côté. Ce sera votre challenge du soir. Allez, on a 4 exercices d'abdominaux à faire. Et le challenge. Et on a terminé. Allez, si on met dans les temps, c'est maintenant. On est déjà en retard. Il y a le temps, les temps pour la grenouille, c'est bien. Ouh, pas mal comme jet de bon. Regardez le premier exo. C'est du pédalage. Chut, chut. Mais j'enroule mon bassin et je repose. Je monte les fesses et je repose. Si bien sûr c'est impossible pour vous pour l'instant, faites seulement du pédalage. Vous avez vu que ma tête, elle est restée décollée pendant tout le travail. Mes épaules sont levées. Tout le travail, on est en appui sur les lombaires. Pas de tête au sol.
même si vous ne faites que le pédalage. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête et jamais poser la tête au sol. Prêt? 40 secondes, top, pédale et enroule, et enroule, et enroule, déroule. 1, allez, allez, allez. Enfin, 40 secondes, et déroule. 2, allez, monte, monte ses fesses. Allez, monte, 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 monte. Encore. 20 secondes encore. Allonge, allonge tes jambes. Ne faites pas un petit pédalage. Faites un grand mouvement. Grand mouvement. Encore. 10 secondes. 10 secondes. Allez, top. Il n'y est pas. La suite, ça pique. Écoutez bien. Respirez et écoutez en même temps. On va faire 10 mouvements, jambes levées. Au bout de 10 mouvements, on va descendre un peu une jambe. 10 mouvements, je descends l'autre. 10 mouvements, je remonte une jambe. 10 mouvements, je remonte l'autre. Je prends une pause. Et on fait 2 ou 3 passages. Une pause à chaque fois. Prêt ? Deux jambes en l'air, je vais compter chaque mouvement et vous expliquer à chaque fois. On y va, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prépare ta jambe droite, 9, descends-la un peu et lance, 1, 2, 3, 4, 5, prépare ta jambe gauche, 6, 7, 8, 9, descends-la au niveau de la droite, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remonte la jambe droite, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la gauche est en bas, hein. 10, remonte la gauche, 1, 2, les 10 derniers, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, voilà, je récupère, on le refait une fois, et ça fera sans abdos en toi. Vous avez bien compris, on descend une jambe, on reste 10, on descend l'autre, on reste 10, on remonte une jambe, on reste 10, on remonte l'autre, on reste 10. On commence par 10, les deux jambes en l'air. Prêt? 10, 1, 2, 3, 4, enroule tes épaules vers le plafond. 8, 9, 10, descends la droite ou la gauche comme tu veux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, épaule, épaule, là haut. 10, descends la gauche, les deux sont au même niveau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, remonte à droite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, la gauche, 1, et 10, dernier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ouh, récupère. On fait un petit gainage latéral, donc sur l'avant-bras, option, vous laissez un genou au sol, et vous levez une jambe ou pas, le pied, et option difficile, les deux jambes tendues. Et là on va faire petite pulse, en bas en haut, pendant 40 secondes. Prêt? Top! 1, 2, allez, 40 secondes, je compte pas, c'est le temps qui parle. Tout petit, bien de profil. Il faut que votre épaule supérieure soit dirigée vers le plafond. Bien dans l'axe du bassin et des chevilles. Et on travaille la taille ici, on l'affine, on la muscle en l'affinant. 20 secondes. Si c'est dur, posez les genoux et ne bougez plus, restez en gainage. Il reste, je transpire, 10 secondes. Allez, ça brûle. Plus haut. 5. 2 et top. On a deux côtés, hein, il y a des obliques des deux côtés. Il y a quatre muscles obliques, un petit et un grand, qui recouvrent les côtes et qui viennent tailler la taille. On y va, 40 secondes. Prêt? Top. Petit, petit, petit. Pensez à l'option, un genou au sol ou les deux. Et l'option statique aussi, sans bouger. On ouvre bien la poitrine, regardez, droit devant, fier, 20, pardon,
Pas encore. 20 secondes. Allez, allez. On monte, on bouge. Chut. On le brûle. On les brûle, ces obliques. 10 secondes. C'est fini. 4, 3, 2, et top. Bien, les amis. On finit par notre gainage, les arbres du désert. Je dirais le nom d'une mission militaire. Les arbres du désert. Ça va être différent de ce qu'on a fait tout à l'heure, puisque là, vous allez être sur l'avant-bras, jambe tendue, et vous allez simplement lever un bras, une jambe. Option, je laisse un genou au sol. Option encore, je laisse les deux genoux au sol. Tout en gardant mon dos neutre, bien plat. Et bien montré au niveau du ventre. 40 secondes par côté, c'est là le challenge. Prêt? Relevez le défi. Bras gauche, jambe droite. Top. Ou l'inverse, mais c'est bras opposés. Et on reste de face. On reste de face au tapis. Tendez la jambe. Allez les amis, c'est la fin du cours, c'est le challenge. Votre défi personnel. Votre défi personnel. Vous êtes capable de mieux, encore plus. Allez, les épaules commencent à trembler, la cuisse commence à forcer. Il reste 8 secondes, on tient. 3, 2, boum! Pour moi, le plus dur, ça a été au niveau de la cuisse. Je ne sais pas vous, peut-être au niveau de l'épaule. J'ai les cuisses qui, avec tous les entraînements, fatiguent. Vous, peut-être aussi. Hein. De l'autre côté, 40 secondes. On verrouille le cerveau. On le dépose. On le reprend après le gainage. Prêt? L'autre côté. 3, 2, 1, top. Oh, il est tout frais. Oh merde, ça a coupé. C'est revenu? J'ai l'impression que ça a coupé. Allez, si vous êtes toujours en gainage, 15 secondes. Ouais, ça a l'air d'être bon. Il reste 20 secondes. Allez, votre dernier challenge. Le défi personnel. 10 secondes. De face au sol. 38, 39, boum! Excellent. J'aimerais bien savoir si vous êtes toujours là. J'ai l'impression que ça a coupé 2 secondes. Mais j'ai l'impression que c'est revenu. Tant mieux. On boit un coup. Et on s'étire. Et je vous laisse. Ensuite à votre week-end. Hydratez-vous. Allez, étirement léger. Si vous avez votre serviette, si vous avez une serviette, prenez-la. On la prend à chaque extrémité. Vous allez monter les bras et les amener le plus loin possible vers l'arrière, suivant la longueur de la serviette. Genoux fléchis, sans trop cambrer le dos. On vient essayer d'étirer les épaules. Bras le plus tendu possible. Voilà, reviens vers l'avant. On reprend la serviette, on la met au-dessus de la tête. Et on vient incliner le buste. Laissez la tête tomber du côté de l'étirement. Bien de profil, genoux souples. Je tiens à vous féliciter encore pour l'effort fourni, pour votre présence, votre motivation. Vous travaillez pour votre santé, votre énergie, votre tonicité. On garde la serviette et on vient amener la serviette sur le bout des pieds.
sans forcer, on relâche les bras, on relâche le corps. Jambes tendues si possible, la tête regardant entre les genoux, pas le sol, on regarde entre les genoux. Et là, regardez, le corps va danser. Voilà, on va relâcher les lombaires, relâcher la nuque, laisser tomber la tête. Bien, remontez en petit mouvement. Voilà, on danse un petit peu. Yep. Vous avez la serviette, vous allez passer un bras dans le dos, au niveau des lombaires. Voilà. Et je viens avec l'autre main, aider ma tête à s'incliner à l'opposé. Et là, vous descendez l'épaule du bras derrière le dos. On descend l'épaule. Genou souple. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vous avez vu comme le corps est formidable, hein. Tout à l'heure il souffrait, et là on ne sent presque plus rien. Imaginez si votre corps réveillait toutes les douleurs en permanence. Ça serait la folie, il endort toutes les douleurs tout le temps. Il gère, il est formidable, changez de côté. D'ailleurs des fois il l'endort trop et puis on ne sent pas qu'on a mal et... La douleur se réveille parfois quand c'est trop, mais c'est formidable ce corps. Et vous verrez que si vous faites du sport régulièrement, eh ben, il se transforme régulièrement. On en fait ce qu'on en veut de votre corps, pratiquement. Vous allez changer de côté, hein. Étirez bien toute la zone, trapèze, cou, épaule. Bien, ouvrez les jambes, vous pliez une jambe et l'autre est tendue, le pied est à plat et regarde vers l'avant, le pied au sol, là, le pied de la jambe tendue. Et vous venez. Regardez bien, mon talon est au sol, le talon de la jambe fléchie, si possible. On vient étirer intérieur cuisse ici et jambe fléchie aussi. Changez de côté. Les deux talons sont au sol. Ouvrez les deux jambes et posez les mains au sol. Étirez l'intérieur des cuisses et l'arrière. Les étirements de fin de séance comme ça, ils sont courts. Ils servent juste à récupérer un peu, à revenir au calme. Mais il faut que vous trouviez un moment dans la semaine pour faire de vrais étirements, une vraie séance, un peu plus longue, un peu plus intense. L'on tire pas trop parce qu'on a déjà fatigué les muscles, ça sert à rien en les étirant, de les fatiguer plus. Juste ce qu'il faut pour qu'ils récupèrent un petit peu, éviter trop de courbatures. Vous allez plier un genou puis l'autre alternativement, droite, gauche, droite, gauche. Encore, encore. Pour ceux qui veulent descendre un peu plus, hein, vous pouvez. Voilà. Allez, on revient. Amenez. Inspirez. On redescend les mains devant le corps et on envoie la fatigue dans le sol. Voilà, on reprend un souffle. De l'énergie et j'envoie cette mauvaise énergie dans le sol. Je le donne à la terre qui va le purifier. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être là, de tous vos gentils commentaires. Bravo à vous. On se donne rendez-vous là, je suis trop bas. On se donne rendez-vous lundi 18h15. Peut-être que dimanche, je ferai comme dimanche dernier une séance de pompe perso que je vous mettrai en direct si vous voulez la suivre. Je dis peut-être, on verra l'état de forme. Voilà. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires qui vous viennent à l'esprit en bas de la vidéo. Vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube. Partagez-les. Faites qu'on soit une grande communauté de sportifs motivés. Et que ça dure même après le confinement, pourquoi pas. Bien, bonne soirée. Gros bisous à tous. Gardez la forme. Gardez
la forme. Salut, salut. Youpa.